Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de ma vie de médium. Alors comment faire l'intermédiaire entre le monde des défunts et le monde des vivants? Alors, il faut savoir que quand on est médium, on n'a jamais vraiment de repos puisque les défunts viennent vers nous à tout moment et à tout instant. Voilà. C'est-à-dire que à tout instant, en tant que médium, on peut capter les défunts, on peut les voir, on peut les entendre, on peut les sentir selon la médiumnité qu'on possède. Voilà. Il y en a qui vont juste les sentir, il y en a qui vont juste les entendre, il y en a qui vont entendre, voir et sentir. D'accord? C'est ce qu'on appelle des médiums spirites, comme moi en fait. On fait les trois trucs en même temps. On voit, on ressent, on entend. Donc quand on est médium, les défunts ils viennent vers nous en fait, c'est-à-dire qu'on les voit physiquement, d'accord, la façon qu'ils avaient de s'habiller, on voit leur visage, on voit leur morphologie, on voit leur taille, on voit vraiment tout en fait, comme si on voyait une personne physiquement devant nous, d'accord. Et donc le défunt il va venir vers nous en fait pour transmettre un message aux personnes de son entourage qui vivent encore ici sur Terre. D'accord? Alors après, le défunt, il vient vers nous déjà s'il sent qu'on est un bon médium et si on résonne avec son énergie. Et puis, il vient vers nous aussi selon la personne qu'on a en face de nous et puis ce qu'elle est prête à entendre ou pas. C'est-à-dire que si le défunt, il ressent que la personne n'est pas prête à entendre certaines choses, eh bien, il va venir vers nous, mais il va peut-être pas dévoiler l'ensemble des informations, d'accord? Parce que si le défunt il sent que vous n'êtes pas prête à entendre les messages que j'ai à vous transmettre, eh bien, il dévoilera seulement une partie des informations et l'autre partie, on va dire, plus tard. Voilà. Ou alors, parfois, il arrive aussi que quand je me rends dans des endroits extérieurs, au cabinet, par exemple, dans une boutique de pierre, ou dans une soirée, ou dans un dîner, d'accord? Même si j'ai décidé de ne pas travailler parce que je veux me détendre, d'accord, eh bien, je peux aussi voir des défunts et du coup transmettre certains messages en fait aux personnes qui sont dans le repas ou qui sont dans la soirée parce que le défunt a décidé qu'il fallait transmettre le message à telle personne. Et donc, dans ces cas-là, je dois faire l'intermédiaire entre notre monde et le monde des défunts, plus la personne qui est présente et à qui le message doit être délivré. Donc voilà, donc parfois même dans les moments extérieurs, je suis amené à transmettre des messages aux personnes selon la volonté des défunts. Alors quels messages peuvent être transmis? Alors, le défunt peut demander pardon aux personnes s'il a été plus ou moins cool dans cette vie-ci, ou alors il peut aussi rassurer les personnes sur son départ, sur ses souffrances, parfois aussi, voilà, dire à la personne, bah, tu sais, il était temps que je parte, voilà, parce que j'avais une maladie qui me faisait trop souffrir, ou j'avais quelque chose que je supportais pas. Ou alors, le défunt, il peut aussi rassurer la personne et lui dire, bah, voilà, je suis toujours présent à tes côtés, même si physiquement, tu ne vois plus, mon énergie reste présente. Voilà, après, les messages que je reçois, ça dépend de chaque personne, de leur vie, de leur situation personnelle, d'accord? C'est pas moi qui décide, moi je fais juste l'intermédiaire entre vous et eux. C'est déjà pas mal, croyez-moi. Donc voilà, un médium, il peut voir des défunts tout le temps, et à tout moment, en fait, on transmet des messages. Alors c'est pas un don qui est facile, parce que il faut l'apprivoiser, d'accord? Il faut apprivoiser cette capacité qui n'est pas évidente, mais avec le temps, on s'y fait. Et puis, parfois aussi, il arrive qu'une personne qui vient me consulter en cabinet, eh bien, elle vient pour un contact et le défunt décide de ne pas venir parce que il estime que ce n'est pas encore le moment pour la personne de venir. Et donc, quand c'est comme ça, on a des guides intermédiaires en fait, qui vont nous dire directement « Non, la personne ne viendra pas parce que ce n'est pas encore le moment pour la personne vivante d'entendre les messages. » Voilà. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Donc, voilà. En fait, nous, les médiums, on voit des défunts tout le temps. Même le soir, parfois, quand on dort, ils viennent, ils nous réveillent.
Ou alors il y a des amérantes qu'on doit faire passer de l'autre côté parce que ils sont coincés et on doit les faire passer. Ensuite, sachez aussi que quand il y a un défunt qui nous demande de transmettre un message, d'accord, le temps qu'on l'a pas transmis à la personne concernée, et ben le défunt il va nous suivre, nous suivre, nous suivre et nous répéter le message jusqu'à temps qu'on se décide à transmettre le message indiqué par le défunt à la personne vivante. D'accord? Donc c'est pour ça que maintenant dans les soirées, dans les endroits extérieurs ou en cabinet, je transmets toujours les messages quand je vois un défunt parce que sinon ils nous suivent et ils nous ordonnent de transmettre le message. Et tant qu'on l'a pas fait, ils sont derrière nous. D'accord? Et ils nous tarabusquent en fait. Voilà. Alors comment je rentre en contact avec les défunts? Alors par support photo, d'accord? Donc la personne me rapporte une photo du défunt. Et puis ensuite, je la prends dans les mains, je ferme les yeux et je rentre en contact avec les défunts. Voilà, donc je les vois arriver, je les entends et ensuite je transmets à la personne le message que le défunt est venu me rapporter. D'accord? Et ensuite, si la personne a des questions, elle les pose et le défunt répond à travers moi. Ok? Alors, il faut savoir que quand je fais une consultation de contact défunt, que ce soit en cabinet ou en extérieur, je ne sais jamais ce qui va être dit ou annoncé à l'avance parce que je le découvre en même temps que vous, en fait. Voilà. C'est le défunt qui m'annonce les choses en même temps que vous. Donc, quand vous venez me voir en cabinet pour une consultation de contact défunt, en fait, je découvre les choses en même temps que vous. Voilà. Parce que le dessin me parle et me montre aussi des images de votre vie, de comment il était, et puis du lien aussi qu'il avait avec vous. Parce que j'entends et je vois aussi les choses. Donc le dessin me parle et en plus me montre des images pour me diriger en fait vers le message où je dois aller. J'ai déjà animé aussi une conférence médiumnique avec mon collègue Thomas Bruno, voilà. Il m'arrive parfois de faire quelques conférences médiumniques, enfin j'en ai fait qu'une là pour l'instant jusqu'à maintenant, mais il y en aura d'autres de programmer, j'en suis persuadé. Après moi je laisse les guides faire, je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant, c'est les guides qui décident des conférences qui m'autorisent à faire ou non. Voilà, mais sinon je continue les consultations en cabinet, voilà, ou en extérieur quand il y a des défunts, même dans le moment on va dire extérieur. Voilà. Et il faut savoir aussi que la connexion médiumnique ne peut pas être coupée. D'accord? On a le don de médium, on ne peut pas le couper. La connexion, elle reste. Peu importe si on veut le couper ou non, on ne peut pas. Voilà. Notre don, c'est notre don. On ne le coupe pas et les défunts décident de venir à nous à n'importe quel moment. Alors par contre, si on n'est pas prêt à réceptionner les messages, des défunts parce qu'on est dans un moment un peu plus privé de vie, on a le droit de dire aux défunts, non, là par contre, c'est un moment privé, donc s'il te plaît, laisse-moi tranquille et retourne dans ton monde, d'accord? Et ensuite, quand je serai prêt à te recevoir, à recevoir tes messages, eh bien là, je t'autoriserai à venir me parler. Voilà, on a le droit, nous, en tant que médium, de dire aux défunts, écoutez, là, on est dans un moment privé, donc s'il te plaît, laisse-moi profiter de ce moment-là. Et reviens quand je serai apte à recevoir tes messages. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper le don qu'on a, mais on peut refuser quand même le contact défunt si on est dans un moment privé de notre vie. D'accord? Mais gentiment. D'accord? Parce que les défunts, ce sont des êtres de lumière, des incarnés, et il faut quand même les respecter et leur parler gentiment. D'accord? Ne pas être agressif. Donc voilà comment se passe le don de médium au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on délivre des messages aux gens pour les réconforter, pour les apaiser, pour leur permettre d'avancer aussi. Et puis, notamment les personnes qui n'ont pas fait le deuil de proches défunts, d'accord? Une consultation médiumnique peut les aider justement à se rendre compte que le défunt est toujours présent et que, voilà. Il est temps d'avancer, que le défunt est toujours présent en protection et leur envoie des signes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être les signes d'un défunt? Alors, les signes d'un défunt peuvent être différents, ça peut être des plumes, ça peut être des musiques, ça peut être le cadre d'une photo du défunt qui bouge dans la maison ou qui tombe. Voilà. Ça peut être des objets qui disparaissent subitement. Voilà. Tout ceci
peuvent être un signe de défunt. Ou alors, vous prenez une photo et puis d'un coup, il y a un visage d'un défunt qui apparaît. Voilà, ça aussi, ça peut être un signe des défunts. Voilà. Alors après, les contacts, c'est pas moi qui décide, d'accord? C'est les défunts qui décident de... c'est les défunts qui décident du moment propice pour venir vers moi. Alors moi, je préconise toujours un délai de 6 mois, mais après, ça dépend du défunt et de comment il est décédé et si la famille a été préparée. D'accord? Donc si c'est un décès qui est arrivé, on va dire, de manière brutale, le défunt va chercher à entrer en contact avec son entourage de manière plus rapide, parce qu'en fait, il y a des choses qui doivent être dites rapidement et des messages qui doivent être délivrés rapidement. D'accord? Donc là, je risque de les percevoir quand même dans un délai court, d'accord, autour de vous. Par contre, si c'est un décès qui a été préparé, le défunt peut venir au bout d'un an pour vous réconforter, vous délivrer certains messages. Et puis là, je vais le percevoir un petit peu plus tardivement, d'accord? Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est les défunts. Alors, comment les défunts apparaissent à moi? Alors, si vous connaissez la série Ghost Whisperer de Jennifer Love Hewitt, Melinda Gordon dans la série, ben ça se passe exactement pareil en fait. Alors, les apparitions se font de manière beaucoup moins brutale, d'accord? Quoique parfois, ça dépend. Mais les apparitions que je capte se font de manière beaucoup moins brutale. C'est-à-dire que parfois, je vais entendre des bruits de pas. Parfois, je vais voir la personne apparaître d'un seul coup en face de moi. Parfois, je vais entendre sa voix. Parfois, elle va me chuchoter à l'oreille. Parfois, elle va être à côté de la personne directement quand la personne viendra me voir. Ça dépend, en fait. Chaque apparition de défunt est vraiment différente. Voilà, donc ça se passe un peu comme dans le film. Donc, en fait, je transmets les messages, ok, pendant un délai de 1 heure, parce qu'en fait, c'est moi qui donne l'énergie au défunt pour qu'il puisse rester avec vous pendant la consultation de contact médium unique. Ou alors, si c'est pas moi qui le contacte, c'est le défunt qui prend l'énergie des personnes vivantes pour rester un maximum avec eux. Ok? Et ensuite, une fois que j'ai transmis tous les messages, eh bien, le défunt part. Donc, soit il disparaît d'un seul coup, soit il est, on va dire, soit il a une lumière en face de lui et il remonte dans la lumière parce que ben, il est apaisé, soulagé et maintenant il remonte dans son plan d'existence d'origine. Donc voilà comment se passent les contacts défunts et voilà ce qu'un médium est amené à faire de manière, on va dire, continuelle. Donc en fait, Ghost Whisperer, et ben, c'est exactement ce que moi je vis, alors de manière beaucoup moins brutale, ok, et de manière beaucoup moins truquée, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça c'est mon quotidien. Donc en fait, moi les défunts, je les appelle mes voisins du dessus, parce qu'en fait, je suis en contact permanent avec eux. Voilà. Donc je les appelle mes voisins du dessus, parce que à tout moment, je peux rentrer en contact avec eux. Donc un contact défunt n'est pas présent pour faire peur, c'est présent pour vous rassurer, vous apaiser et puis vous prouver aussi qu'après la mort physique, il y a une autre vie qui démarre pour le défunt. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a renseigné et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.